Ok, d'accord. Okay. Ben, désolé parce qu'il y a un problème technique. Donc, nous allons voir ensemble les morsures, piqûres et envenimations. Et ce serait bien de me dire si le sang est correct ou s'il y a un souci avec le sang. Bon, la connexion risque d'être instable. Je vais essayer de faire avec. Enfin, on va essayer de faire avec. Alors, pour les objectifs de cette visioconférence, pour les objectifs donc de cette visioconférence, c'est essentiellement que vous puissiez à la fin de la séance prendre en charge une morsure de chat ou de chien, de planifier la prise en charge d'une piqûre de scorpion, de prendre en charge une piqûre d'hyménoptère, et on va voir ce que c'est que les hyménoptères, de prendre en charge une morsure de serpent et surtout de retenir ce qui a lieu de faire et surtout de ne pas faire devant une morsure ou une piqûre. Alors, nous allons voir ensemble, nous allons commencer par les morsures d'animaux domestiques. On ira vers les hyménoptères, les serpents.
Pour toi? Pas de soucis, d'entendre-moi. Alors, est-ce que le son est correct maintenant, s'il vous plaît? Oui, pas grand-chose. Est-ce que vous m'entendez maintenant? S'il vous plaît. Oui. Oui, Hakima, on vous entend. Ok, d'accord. Alors. C'est mieux comme ça? Ok. Donc, nous allons voir les morsures, envenimation et piqûres. On va commencer par les morsures d'animaux, chats et chiens. Donc, il s'agit d'une adolescente de 16 ans qui est victime d'une morsure au niveau de l'index gauche en tentant de séparer son chien de celui de la voisine entrée dans le jardin. Le chien qui a mordu était en règle pour la vaccination de la rage. L'accident a eu lieu vers 21h. La plaie était, selon les dires de l'adolescente, assez hémorragique et a fait l'objet d'un pansement. Le lendemain matin, elle consulte un médecin généraliste à son cabinet. Après l'examen clinique, le médecin y procède à une désinfection, un pansement, une prescription antibiotique péroce, un arrêt de travail de 3 jours. Il n'y a pas eu de vaccination antitétanique, la patiente se déclarant un jour de cette vaccination. Alors, quels sont les éléments à retenir? Quels sont les éléments à prendre en compte? Quels sont les éléments à prendre en compte de cette vignette clinique? Bon. Vu la qualité de la connexion et de la durée de temps qui nous est attribuée, ben, je vais essayer de discuter tout simplement à haute voix, enfin, avec vous, quoi. Donc, oui, non, oui, ok. Donc,
Là, il s'agit d'une adolescente qui a été mordue au niveau de l'index gauche. D'accord ? Déjà, quand on a une morsure, il faut savoir qu'il y a deux maillons ou deux acteurs. Nous avons l'animal qui a mordu et nous avons la victime. Bon, si on voit déjà l'animal qui a mordu, il s'agit d'un chien qui est connu parce que c'est le chien de la voisine. Donc, c'est déjà pas mal par rapport à un chien qui n'est pas connu. Deuxièmement, c'est un chien qui est en règle pour les vaccinations de la rage. Donc, le risque infectieux et le risque de rage est moindre chez notre victime. D'accord ? Donc, c'est important quand on a une morsure d'un animal, quel qu'il soit. Quel que soit l'animal mordeur, il est important de connaître, de le voir, de l'examiner, de l'emmener chez un vétérinaire, d'essayer de voir est-ce que c'est un animal connu ou non. Est-ce qu'il est en règle pour la vaccination ou non? Est-ce qu'il a mordu spontanément ou est-ce que c'était juste une réaction de défense de cet animal-là? D'accord? Et d'un autre côté, il faudrait examiner la patiente. Donc, pourquoi ce cas clinique? Ce cas clinique, c'était essentiellement pour essayer de vous montrer que, à première vue, la morsure semble plutôt banale au niveau de l'index gauche. C'est vraiment rien du tout, enfin, a priori. Le chien était connu, vacciné, pas de problème. La victime a nettoyé, enfin, elle dit que c'était assez hémorragique, d'accord, et qu'elle a fait un pansement. On ne sait pas si ça a été bien nettoyé ou non. Elle ne consulte que le lendemain. Et le lendemain, ben, on procède à une désinfection, à un pansement, une antibiothérapie précoce avec un arrêt de travail de 3 jours. D'accord ? Alors, vous trouverez la suite du cas clinique sur le document qui est sur la plateforme. C'est juste pour montrer que malgré que la lésion paraît anodine, paraît toute simple, parce que finalement, c'est que l'index, les complications étaient assez sévères et assez graves. D'accord ? Donc, pour dire aussi qu'il ne faut pas sous-estimer une morsure d'un animal, que ce soit un chat ou un chien. Alors, c'est vrai que les morsures de chien paraissent un petit peu plus peut-être terrifiantes, d'accord ? Parce que généralement, les dents sont plus importantes, les lacérations et les dégâts, les délabrements cutanés sont plus importants par rapport à la morsure de chat. Par contre, les morsures de chat sont nettement plus graves. Pourquoi ? Parce que les canines sont plus fines et plus longues, donc la plaie, elle est plus profonde. Et du moment qu'elle est plus profonde, la possibilité de la nettoyer correctement n'est pas correcte, n'est pas assurée. Vous avez des questions ? Donc, je ne sais pas. C'est juste entre vous. D'accord ? Donc, concernant les morsures de chat, les plaies paraissent souvent mineures. D'accord ? Mais comme elles sont profondes, déjà, elles peuvent entraîner des lésions vasculaires, des lésions osseuses, des lésions tendineuses, articulaires, et elles s'infectent le plus souvent parce qu'elles sont d'accessibilité difficile. Donc, ne jamais sous-estimer la morsure d'un chat ni d'un chien. Et ce qui est arrivé à la malade, c'est qu'elle n'a pas consulté immédiatement, elle n'a pas nettoyé profondément. D'accord ? Donc, alors, pour ce qui est des plaies à risque, les plaies à risque, donc nous avons tout ce qui est plaies profondes. Qui dit plaies profondes dit accessibilité au nettoyage difficile. Un décollement sous-cutané et une perte de substance, pareil parce qu'on a un risque de surinfection très important. Des plaies punctiformes et profondes. Une plaie de la main ou du visage. Alors, risque de surinfection. Risque de lésion vasculaire. Et une plaie évoluant depuis plus de 6 heures sans traitement, le risque de surinfection est plus important. Alors, la conduite à tenir. Comme je l'avais dit, une morsure est un drame avec deux acteurs. D'accord ? On a le mordeur qui est le chien et on a le mordu qui est l'être humain. Alors, par rapport au chien, déjà, il faudrait voir est-ce qu'il est connu ou il n'est pas connu. Deuxièmement, il ne faut jamais penser à tuer le chien. Au contraire, il faut le prendre chez le vétérinaire. Et il faudrait que le vétérinaire le voie et puisse le recontrôler 3 fois, à J3, à J7 et à J15. Il faudrait vérifier s'il est vacciné ou non.
Et si jamais le chien décède juste après, il faudrait prendre sa tête au laboratoire Pasteur à Alger. D'accord, pour faire une autopsie, pour pouvoir voir est-ce que, pour pouvoir faire un examen bactériologique. Par rapport au mordu. Alors, par rapport au mordu, c'est comme une consultation. Il faut déjà voir le malade. Il faudrait examiner la morsure. D'accord, ne jamais se dire que c'est une morsure simple, du fait juste de visu, comme ça. Et il faut avoir des éléments sur l'heure de la morsure, à quand remonte cette morsure-là. Si par exemple, par rapport à l'heure de la dernière ingestion, c'est par rapport à l'acte chirurgical, il faut toujours savoir la dernière heure du traumatisme par rapport à la dernière heure de la prise alimentaire, éventuellement pour une anesthésie générale si le malade doit se faire opérer. Est-ce qu'il est vacciné? Est-ce que son carnet vaccinal contre le tétanos est respecté? Il faut faire un examen général et l'examen de la plaie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait une consultation générale. Alors, quelle que soit la nature de la morsure, quel que soit le lieu de la morsure, quel que soit l'animal qui a mordu, la personne doit aller se faire consulter au niveau des urgences chirurgicales. Et au pire des cas, idéalement, et il faut que ce soit fait, qu'elle demande à être vue par un traumatologue. La fillette du cas clinique, la jeune fille, l'adolescente du cas clinique, elle avait une morsure au niveau de l'index gauche et elle dit que c'était hémorragique, un peu hémorragique. Elle n'a pas été consultée, ça n'a pas été examiné correctement jusqu'au lendemain. Donc, ça s'est infecté. Il y avait un hématome parce qu'il y avait une lésion vasculaire qui était passée inaperçue. Donc, on ne sous-estime pas, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas des lésions sous-jacentes. Après la consultation, il faut faire des soins locaux. Alors, les soins locaux, c'est quoi? Déjà, il faut bien nettoyer. Quand on dit nettoyer, il faut nettoyer avec de l'eau et du savon de Marseille. Rien d'autre. Avec de l'eau de façon abondante, en hyperpression si c'est possible, surtout quand les lésions sont profondes. Il faut enlever tout ce qui est corps étranger et souillure. S'il y a un saignement, on comprime pendant 10 à 15 minutes. On applique un antiseptique et on fait un pansement humide. Pourquoi un pansement humide? Parce que ça favorise la cicatrisation d'un côté et d'un autre côté, ça évite la formation de croûte et l'assèchement de la peau. Bien sûr, on traite la douleur. D'accord? Donc, on consulte, on fait un examen clinique complet, soigneux, que ce soit un état général pour essayer de voir le calendrier vaccinal de notre patient et essayer s'il y a un terrain atopique ou non. Et on fait des soins locaux. Les soins locaux, le premier élément à faire, et on insiste sur ça, c'est le nettoyage soigneux de la plaie à l'eau et au savon. Pour le traitement chirurgical. Alors, le traitement chirurgical, avant, on disait qu'il ne fallait pas suturer au-delà de la 24e heure. Que l'évaluation chirurgicale n'était pas nécessaire à chaque fois. Qu'il existe un délai au-delà duquel la plaie ne peut être suturée. Tout ceci n'est que de l'histoire ancienne. En fait, est-ce qu'il n'y a pas de sang? Il y a quelqu'un qui me dit « Ah, ok, d'accord ». Donc, pour le traitement chirurgical, alors il ne faut jamais hésiter à examiner chirurgicalement, à explorer chirurgicalement une plaie, d'accord? Surtout une morsure de chat ou de chien. Et chat encore plus davantage, parce que le chien, de par les lésions qui sont faites, on va probablement penser à faire une exploration chirurgicale. Le chat, on a tendance à négliger, et du coup, on laisse passer, on n'explore pas et les dégâts sont là. Deuxièmement, on peut suturer même au-delà de la 24e heure. Il ne faut jamais hésiter à le faire. Et troisièmement, comme je l'ai déjà dit, toute plaie, toute morsure doit être examinée dans les urgences chirurgicales et il faudrait voir avec un traumatologue pour essayer de voir est-ce qu'il y a indication d'explorer au milieu chirurgical, au bloc opératoire ou non. Pour l'antibiothérapie. Alors, l'antibiothérapie n'est pas systématique. Elle n'est plus systématique. D'accord? Donc, en fait, l'infection, elle dépend de deux cas de figure. Déjà, l'animal qui a mordu, est-ce qu'il est connu ou non? Est-ce qu'il est vacciné ou non? Est-ce qu'il était malade ou non? D'une. Et de deux, du terrain.
entre un malade qui est diabétique et un patient qui est sans antécédent, il y a une grande différence. Et de trois, selon la taille et la profondeur de la plaie. Une plaie superficielle qu'on arrive à nettoyer rapidement et qu'on voit vraiment, qu'on arrive à explorer rien qu'avec notre doigt ou à l'œil nu, l'étendue ou la profondeur, on peut la nettoyer juste un simple parage et un simple nettoyage permettrait de régler la situation. Par contre, si la plaie est très profonde, très importante, là, on pourrait être amené à mettre le malade sous antibiothérapie. D'accord ? Généralement, c'est l'association amoxicilline acide clavulanique qui est le plus recommandé. Il ne faut jamais oublier de prévenir le tétanos et la rage. Et bien sûr, faire la prophylaxie de la rage. Donc, avant d'aller vers le deuxième cas de figure, ce qu'il faut retenir des morsures de chat et de chien, c'est que de 1, il ne faut jamais sous-estimer une morsure. De 2, il faut toujours nettoyer à l'eau et au savon. De 3, quand on comprime et qu'on met un pansement, il faudrait que ce soit un pansement humide. De 4, ne jamais oublier de traiter la douleur. De 5, il faut toujours penser à faire examiner la plaie par un traumatologue. De 6, ne jamais hésiter à explorer dans le bloc opératoire de façon chirurgicale cette plaie-là. De 6, l'antibiothérapie n'est pas systématique. C'est en fonction de l'animal mordeur, de la profondeur et de la taille de la plaie et du terrain sous-jacent. Et si on a à mettre un patient sous antibiothérapie, on commence par l'association acide clavulanique amoxicilline. Le tout sans oublier d'envoyer ou de vérifier, d'envoyer votre chien ou votre chat, le mordeur, à consulter chez un vétérinaire 3 fois, d'accord, à J1, J3 et J7. Si jamais l'animal est décédé, il faudrait l'envoyer à Pasteur. Et pour votre victime, votre patient, il faudrait vérifier son statut vaccinal, ne pas oublier la vaccination ou le sérum antitétanique et la prophylaxie de la rage. Surtout, la prophylaxie de la rage, surtout si votre animal mordeur n'est pas connu et n'est pas suivi. OK ? Donc, passons aux piqûres d'hyménoptères. Alors, concernant les hyménoptères, c'est quoi ? Ce sont tout ce qui est frelons, guêpes, abeilles qu'on voit de loin, essentiellement pendant le printemps. Alors, ce qui a lieu de savoir à partir de ce qu'on va voir maintenant, c'est que toutes les manifestations cliniques dépendent en fait de la nature chimique ou du composant du venin de tous les animaux qu'on va voir. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a généralement la guêpe et l'abeille. Alors, si vous voyez bien, nous avons une image du dard d'abeille qui est édentée et nous avons le dard ou l'aiguillon de la guêpe qui n'est pas du tout édenté. Pourquoi ces deux images-là ? C'est juste pour attirer votre attention. C'est juste pour attirer votre attention sur le fait qu'une guêpe peut piquer à plusieurs reprises. Donc, si on se fait piquer dans un endroit par une guêpe, il faudrait changer d'endroit rapidement. Par contre, si on se fait piquer par une abeille, on ne peut être piqué qu'une seule fois parce que son dard reste collé dans la peau de la victime et va attirer tout son abdomen et du coup, l'abeille va mourir. D'accord ? Donc, il y a plus de risques de piqûres multiples par la guêpe. L'abeille, elle peut attirer les autres abeilles par la sécrétion de phéromones, mais une abeille ne piquera jamais 2 fois. Ça est d'une. Deuxièmement, le venin d'abeille ou de guêpe est hémolytique, neurotoxique et a une action histaminique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les manifestations cliniques que nous allons observer sont de nature hématologique, donc on va avoir une hémolyse, neurotoxique, on peut avoir des manifestations neurologiques, et histaminique, donc on va avoir des réactions allergiques. Donc, les manifestations cliniques, on a 3 types de réactions. Donc, normale, une réaction tout à fait normale suite à une piqûre, une réaction toxique, qui dit toxique, dit envenimation, et une réaction allergique allant du stade 1 au stade 4. Les réactions normales locales directes, généralement, c'est une piqûre unique. La douleur, elle est immédiate. Elle n'est pas très, très intense. Un type de brûlure avec une petite réaction inflammatoire locale tout autour du point de piqûre.
La lésion en elle-même ou la piqûre en elle-même n'est pas est bénigne, sauf si, bien sûr, elle se situe au niveau de la région bucco-pharyngée ou oculaire, où il y a un risque de surinfection très important. Et d'une. Et de deux, s'il y a par exemple une réaction inflammatoire, si c'est au niveau bucco-pharyngé, il y a un risque d'obstruction des voies respiratoires. La deuxième type de réaction, ce sont les réactions allergiques. Alors, allant du stade 1 au stade 4. Donc, le stade 1, c'est une réaction, c'est une exacerbation de la réaction locale. C'est le type 1 avec une exacerbation de la réaction locale. Le stade 2, c'est une réaction régionale étendue aux membres. Le 3, on va avoir une réaction systémique de gravité variable. Et le stade 4, c'est un choc anaphylactique. Le choc anaphylactique, c'est une instabilité hémodynamique. Le troisième type de lésion, c'est quoi? C'est une réaction toxique. La réaction toxique, elle est liée à la toxicité directe du venin. Donc, pour savoir déjà, pour faire la différence entre les deux, une réaction allergique, peu importe le nombre de piqûres, il suffit qu'il y ait une seule piqûre pour qu'il y ait une réaction allergique. Et l'intensité de cette réaction dépend essentiellement de l'individu et de sa susceptibilité, si c'est un terrain atopique ou pas. La réaction toxique, quant à elle, elle est liée directement à la toxicité du venin, c'est-à-dire qu'elle nécessite une quantité importante de venin pour qu'elle se déclare. D'accord? Donc, quand elle est liée à la toxicité du venin, donc elle est importante lors de piqûres massives, il faut qu'il y ait des piqûres simultanées et massives, et les manifestations, alors nous pouvons avoir des troubles digestifs, troubles de la coagulation, des troubles neurologiques, ça, tout ça c'est en rapport avec la composition du venin de ces hyménoptères, d'accord? Et on peut aller jusqu'à la défaillance multiviscérale. On peut avoir aussi une insuffisance rénale. Donc, si on a à comparer le choc allergique à l'envenimation, ce qu'on retient, c'est que le nombre de piqûres est important lors du choc toxique. Par contre, une seule piqûre suffit pour avoir une réaction allergique. La symptomatologie, elle est immédiate dans le choc anaphylactique ou allergique. Par contre, elle est plus retardée parce que le temps qu'il y ait les manifestations et ça se fait tout doucement. Donc, le temps de la dissémination du venin et de l'action du venin au niveau de ces sites d'action. Dans le choc allergique, la douleur, elle est aiguë, elle est intense liée à la piqûre. Par contre, dans le choc toxique, la douleur, elle est plus prolongée. La survenue d'une insuffisance rénale dans le choc toxique et la nature de la toxine circulant dans l'organisme fait que le seul traitement soit l'épuration extrarénale. Par contre, le traitement du choc allergique reste l'adrénaline. Quels sont les critères de gravité après une piqûre d'hyménoptère, nécessitant bien sûr l'admission en réanimation? Les piqûres des voies aériennes supérieures, parce qu'il y a un risque d'asphyxie, une obstruction des voies respiratoires. Des troubles de la déglutition, c'est la même chose. L'œdème de Kuhn, c'est le même risque. Un syndrome confusionnel. Les antécédents cardiovasculaires, parce qu'on a plus de risques de décompensation cardiaque. Quand on a un nombre important de piqûres, parce qu'on a un risque plus important de survenue de choc toxique. Et bien sûr, une aggravation après la sixième heure. Ça veut dire que la toxine est toujours là et qu'elle est en train de circuler et de faire ses effets. Alors, comment faire devant une piqûre d'abeille? Déjà, il y a les mesures générales. Les mesures générales, c'est quoi? C'est que, un, il faut identifier si c'est possible. Après, bon, ce n'est pas toujours évident. Ce qu'il faut faire, c'est enlever le dard. Pour enlever le dard, il ne faut pas essayer de le prendre avec une pince parce qu'on va comprimer la glande qui est juste au-dessus et on va presser, donc on va augmenter la vitesse d'administration ou d'inoculation du venin. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de racler vers la base avec un truc qui soit plutôt, comment dirais-je? Comme une plaque, comme nos cartes d'identité actuelles, on essaie de racler vers la base pour enlever rapidement le dard. Surtout pas le comprimer, surtout pas le comprimer de haut pour le tirer. Parce qu'on va, presser la glande et on va pousser le venin plus vers l'organisme. Alors, on fait une désinfection locale. Bien sûr, il faut toujours nettoyer à l'eau et au savon de Marseille. Une prophylaxie antitétanique et quitter le lieu de l'incident. Quitter le lieu de l'incident. Pourquoi ? D'une, si c'est, il va y avoir une sécrétion de phéromones et il va y avoir l'arrivée de tout un troupeau d'abeilles ou de guêpes et il va y avoir des piqûres multiples.
Le reste, c'est vraiment du traitement symptomatique. Alors, pour les manifestations locales, c'est des antalgiques, antihistaminiques ou un pansement et des pansements humides en fonction. Le traitement des réactions allergiques, donc ça va de l'antihistaminique à l'adrénaline si c'est un choc anaphylactique. Pour le traitement des envenimations, c'est un traitement purement symptomatique en fonction de ce qu'on a comme manifestation clinique. Et surtout, c'est l'épuration extra-rénale pour pouvoir épurer et enlever cette toxine. Pour les mesures préventives, ce n'est pas évident de les faire parce que ça paraît franchement un peu pas réaliste. Éviter les repas et les boissons sucrées en plein air et vérifier son verre avant de boire, porter des chaussures fermées, on essaye. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'il faut faire attention et être à proximité des ruches, d'accord? Éviter. Une fois qu'on est piqué, il faut rapidement changer d'endroit. Si on est un terrain atopique et on a déjà fait des réactions allergiques ou anaphylactiques antérieures, avoir surtout une carte pour le dire et surtout de l'adrénaline sous forme de seringue auto-injectable. Troisièmement, on va voir les morsures de serpent et envenimation ophidienne. Donc, il s'agit de monsieur Athé, 20 ans, cultivateur, qui consulte un jour à 13h pour trouble de la vigilance. L'interrogatoire révèle une notion de double morsure au niveau du pied droit et de la jambe gauche survenue aux environs de 9h. Le mordeur n'a pas été identifié par le patient. Une heure après la morsure, la victime est rentrée au village avec des vertiges et un flou visuel. L'examen clinique retrouve un patient obnubilé, une échelle de Glasgow à 13 avec un flou visuel, une ptose palpébrale bilatérale, une détresse respiratoire, tachycardie à 126 battements minute, une dysphagie. La température est à 37 degrés et la pression artérielle à 87 de systolique, ne répondant pas au remplissage. Localement, on note une tuméfaction importante des membres inférieurs avec deux traces punctiformes de crochets à la face interne du pied droit et à la face interne susmaléolaire de la jambe gauche. Le reste de l'examen somatique est sans particularité. Les examens biologiques nécessaires demandés n'ont pu être réalisés. Alors, si on voit notre cas clinique, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer qu'il y a une double morsure. D'accord? Alors, il y a de 9h à 13h un bon nombre d'heures qui est passé. Et cliniquement, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il fait des vertiges, un flou visuel, un Glasgow à 13, une ptose palpébrale, une détresse respiratoire, tachycardie, dysphagie et une hypotension. Donc, comment expliquer ces manifestations-là? On les explique, comme je l'ai déjà dit, par le contenu du venin, la composition ou l'action du venin. Alors, le venin des serpents, il a un pouvoir hémorragique, il a un pouvoir nécrotique et un pouvoir neurotoxique. D'accord ?